Oui, bonjour professeur, bonjour madame l'expert et merci d'être venu de si loin pour rapporter les résultats de votre expertise psychiatrique, enfin plutôt psychologique, concernant l'accusé. Je voudrais revenir tout d'abord sur le but de cette expertise. Vous avez indiqué dans votre rapport que vous avez expliqué à l'accusé quel était le sens de cette démarche. Vous lui avez dit, si je ne me trompe pas, qu'il s'agissait de procéder à une analyse du parcours de vie d'un individu pour mieux le connaître et comprendre le cas échéant, les liens qui peuvent exister entre lui, entre cet individu et les actes qui lui sont reprochés. Vous avez également indiqué que cette expertise se situait dans un cadre un peu particulier, qui est dans le cadre d'une affaire ou les questions de crimes contre l'humanité, et vous avez indiqué que cela supposait une démarche qui aussi supposait peut-être qu'on resitue le parcours de l'individu de façon plus globale avec l'histoire de la société dans laquelle il a vécu. Il est courant dans certains pays occidentaux de procéder à de telles expertises. Ceci est sans doute beaucoup plus rare au Cambodge et même peut-être devant d'autres juridictions internationales. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que vous avez une certaine expérience en la matière, quel est l'intérêt, au-delà de ce que je viens de rappeler, de ce genre d'expertise? Quel est l'intérêt pour la justice? Quel est l'intérêt pour les parties? Bien, tout d'abord, monsieur le juge, nous avons répondu aux questions qui nous ont été posées par les juges d'instruction. Et ce sont les co-juges d'instruction qui nous ont mandatés avec un certain nombre de questions précises que je n'ai pas comprises ici puisqu'elles avaient été reprises par monsieur le président. Et donc il s'agit de ce rôle, ce type d'expertise psychologique a pour fonction, justement vous l'avez dit aussi, d'éclairer la justice. Vous nous a demandé d'éclairer la justice à partir de questions très précises qui nous avaient été posées sur les capacités d'empathie, sur l'intelligence, donc on peut supposer que les juges d'instruction avaient cette nécessité de mandater cette expertise. Par ailleurs, l'intérêt de ce type d'expertise psychologique qui prend en compte à la fois l'histoire individuelle et l'histoire collective, évite des biais qui sont fréquents dans notre discipline, que ce soit en psychologie ou que ce soit en psychiatrie, à savoir d'expliquer le parcours d'un homme qui s'est fait les gestes par des seuls éléments
liées à la petite enfance ou des déterminants intrapsychiques. Et très souvent, on ne prend pas en compte aussi l'ensemble des événements extérieurs, la répercussion qu'ils ont eue. Et c'était, je pense que c'est très important pour d'ailleurs toutes les expertises de, d'articuler cette histoire collective et l'histoire individuelle. Cette expertise psychologique, puisque curieusement, il n'y a pas dans l'intitulé en tout cas une référence au côté psychiatrique. N'a évidemment pas de valeur thérapeutique. Ce n'est pas sa finalité première. Mais pour autant, vous avez dit que vous avez eu de nombreux entretiens, que vous avez constaté une certaine évolution. Alors, peut-être un peu curieux de commencer par là, mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez que cette expertise a eu un impact sur l'accusé et éventuellement quel type d'impact cela a pu avoir? Peut-être qu'on va répondre à deux. Alors, Il a été devant la cour tous les jours. Il nous a vus à des moments particuliers, une semaine à l'intervalle l'année dernière, deux fois une semaine. Personnellement, je pense que c'est plutôt l'impact de l'ensemble de la procédure. Ce qui se passe toujours dans toutes les expertises psychologiques et à laquelle nous sommes, nous veillons, c'est ne pas donner les questions que nous ont posées les juges d'instruction. L'autre chose à laquelle nous veillons également, c'est à ce que les accusés puissent ne pas répondre en fonction de ce qu'ils pensent devoir être juste par rapport à leur situation. Il s'agit quand même d'un accusé, d'une personne qui est arrêtée et qui a une stratégie de justice. Mais je dirais que c'est toujours le cas dans toutes les expertises. L'effet thérapeutique, excusez-moi, pour répondre à votre question, je crois que l'expertise n'a pas cet objectif, mais il est perceptible. Je voudrais ajouter que au fur et à mesure, nous avons entretenu avec le détenu. D'après l'analyse de son comportement, nous ne nous trouvons pas des impacts de nature négative sur l'accusé. Mais au contraire, il se montre le bienvenu chaque fois qu'on le voit. Voilà, merci. Oui, vous avez dit au début de votre expertise que
l'accusé s'était montré extrêmement coopérant dans tous les cas à cette mesure et que c'était quelque chose qui est paru important. Vous avez également dit, me semble-t-il, qu'il était parfaitement informé aussi du caractère judiciaire de la mesure. Vous savez qu'un rapport serait remis au juge d'instruction et que ce même rapport serait également notifié aux parties. Tout ceci lui a bien été expliqué, lui a bien été dit. Alors, je l'ai dit dans l'intitulé, il n'y a pas une référence au côté psychiatrique, qui est pourtant important. Vous nous avez dit dans le cours de votre rapport que l'accusé est quelqu'un qui ne présente aucun trouble d'ordre mental. Alors, je voudrais éventuellement que l'expert psychiatre puisse nous confirmer qu'il n'y a effectivement aucune affection d'ordre psychiatrique qui aurait pu affecter la conscience ou entraver la conscience de l'accusé. Et peut-être, si je peux me permettre, le plus simple serait que vous puissiez vous exprimer en cambodgien, en khmer. Donc, vous nous confirmez que c'est quelqu'un qui n'a pas, par exemple, de phénomène
hallucinatoire, il ne connaît pas ce genre de problème. Quelqu'un qui est bien ancré dans la réalité, qui sait ce qui l'entoure, qui sait la réalité des gens qui sont autour de lui, n'a aucun problème de perception. C'est bien exact. ปัญหาแตะตองตนการสมดายกำหนดหรือก็ปัญญาการเกิดกูรบกอดเตตั้งจังแมนหรือเตโดยซาสังเกตเคยท่าเอาไว้ได้ลูกลูกมาเรียนรวมตั้งปีประวัติเรียนโดยตลอดกอดบานบังเรียนให้กอดบานโยรกให้พอลได้ไปเจ้าท่าให้เอาไว้บานจะกอดเชื่อเรื่องโรค นกุมวิเชียกรมนี้ดำไปจีเมกีดาวตะมุกให้ได้รูปย่อมกับอันหลบดังองค์ปีสืบการสังคมในเป็นอุดได้บัญเจ้าท่ากวนในยีมีการสัมผัสสัมพอลได้ยืมอันจัดตุกกะท่าจีอัลลิซินาชงจีกำหนดได้รูปวิเชีย Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du rapport, mais peut-être sur quelques points particuliers pour essayer d'apporter des précisions, parce que votre rapport me paraît déjà assez clair. Il a été question d'un... Vous avez utilisé un mot qui est peu fréquemment utilisé, qui est l'alexithymie. Vous avez indiqué qu'il s'agissait d'une incapacité, enfin, j'espère que j'ai bien compris, une incapacité à ressentir des émotions et aussi éventuellement à en exprimer. Alors, peut-être pourriez-vous définir un peu plus précisément quel type d'émotion il s'agit, puisque aussi dans votre rapport, il a été question de ce que vous avez appelé des émotions d'ordre politique. Notamment, vous avez parlé de ces émotions politiques qui pourraient être suscitées par des sentiments d'humiliation, de colère, éventuellement qui peuvent générer des désirs de vengeance et qui peuvent avoir des conséquences. Donc, quelles émotions parlez-vous quand vous dites qu'il a, il y a une incapacité à les ressentir et à les exprimer? Les émotions dont il est question, qui ne peuvent être ressenties, ce sont des émotions, par exemple, ce sont des émotions concernant sa propre subjectivité, notamment des émotions de compassion, peut-être des émotions concernant la souffrance ou la douleur des autres, mais la sienne également, c'est-à-dire des émotions, je pense peut-être la peur, je pense aux émotions de oui, de souffrance, je pense. Alors, on dirait la souffrance, ce n'est pas une émotion. Mais c'est le fait de ne pas avoir accès, de ne pas ou plus avoir accès à tous ces ressentis. On peut parler d'émotion, on peut parler de joie, on peut parler d'éléments qui marqueraient une certaine fragilité, qui montreraient une certaine faiblesse, une certaine fragilité de l'individu. Ce ne sont pas forcément dans son cas à lui,
vous avez raison, la laxitie peut désigner toutes les émotions. Quand on prend la définition du terme, peut-être que là, il aurait été important de préciser quel type d'émotion. Parce que certaines émotions, probablement comme la colère, peut être ressenties, je ne dis pas au cours de l'expertise, mais ce n'est pas l'ensemble des émotions, ce sont les émotions qui ne sont pas pratiques, qui desservent ce que l'idée que le sujet a de sa personnalité. Je rappelle aussi que nous avons beaucoup insisté sur la fabrication de l'homme sous les Khmer rouges comme d'une nouvelle psychologie. Cet apprentissage de l'impossible, de l'expression de ses émotions et ce ressenti date peut-être de cette époque. La source, alors, quelle est la cause, c'est probablement aussi une réaction contre des douleurs, des déceptions qui étaient trop vives et qu'il s'agissait de chasser de sa conscience en adoptant un comportement, une philosophie. ອັນແຕ່ກໍມັນສໍາລັບສໍາລວງຕາມອາລົມນັ້ນໂດຍປາມະນຸກຄົມວິຊາຫຼືກໍກຳນັດໂດຍລັກສາອາລົມດໍສະຫງົບສະຫຼັບກົບກອງອາລົມບານໂດຍມັນປະຕິກໍາຄືວ່າສົມບັນທາຍບັນຕິດອັນປີກະສົນມະນັດສົມມັນກະລະນີໄດ້ເຈິງນິໄຍຖ້າອາເລັກຊີທີມີນີ້ໂດຍສາມີລັກສະນະຄ້າວີພາຊອບໂຕນຶງປະໄປນີ້ຄໄມຍືງ ដោយសារថាជាទូទៅយើងបានអប់រំកូនចៅមិនឲ្យត្អូញធ្ងោការលំបាកទេពីព្រោះត្អូញធ្ងោការលំបាកប្រាប់អ្នកដទៃវាជាការមួយបង្ហាញនៅភាពទន់ខ្សោយហើយជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រឈមនឹងបញ្ហា មួយចំនួនយើងតែងតែលើកពាក្យស្លោកថាស្ងៀមជាជាងស្រដីពីព្រោះនៅស្ងៀមវាមិនបង្កទំនាស់ហើយនៅស្ងៀមក៏មានន័យយើងថាយើងចាញ់គេដែរហើយមិនឲ្យសភាពការណ៍កាន់តែលំបាក ក្នុងនាមជាកូនប្រុសក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងប្រពៃណីខ្មែរត្រូវតែមានចំហរឹងមាំមិនត្រូវត្អូញត្អូរទេចំពោះលោកដូចដែលលោកប្រកាន់យកទស្សនៈស្តូអ៊ីស៊ីសម ដែលនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់គាត់ជួបនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលនិយាយពីឡាម៉ូឌីលូដែលជាអត្ថបទមួយធ្វើឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយប្រកាន់យកអាយ៉ាវ៉ាត់នេះ យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំហរនៃជនកុម្មុយនីសគេតែងតែនិយាយថាជនកុម្មុយនីសជាឧបករណ៍ដាច់ខាតរបស់បកឬរបស់
Hong Kong. ដូច្នេះបើសិនជាទទួលភារកិច្ចធ្វើលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់អាចស្លាប់ខ្លួនមិនត្រូវអុយធ្ងន់ទេហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងវាជាឧបករណ៍មួយជាម៉ាស៊ីនដែលត្រូវតែទទួលអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជា Résumer, peut-être, est-ce que l'on peut dire que, en ce qui concerne l'accusé, celui-ci, de par son histoire familiale, sa culture, son éducation, sa rencontre avec le communisme, c'est en définitive interdit tout ressenti personnel et que les émotions qu'il pouvait avoir devaient être celles qui correspondaient soit à l'idéal communiste, soit à ce que l'on attend de lui dans la société. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez nous dire ? ធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាសង្គមចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សង្គមតើអ្នកជំនាញអាចមានមតិដូចម្តេចត្រង់បញ្ហានេះ Oui, en quelque sorte, c'est ce qu'on. Ah, pardon, c'est ce qu'on peut. Je tiens à dire aussi, monsieur juge, que l'expertise, elle. Nous avons eu beaucoup d'entretiens avec l'accusé. Certes, ce qui était important pour nous aussi, c'est d'établir véritablement une analyse de sa biographie avec cette articulation des différents éléments. Mais je tiens à dire que dans toutes les expertises, que véritablement arriver aux racines, si on doit vous raconter, pouvoir raconter devant la cour à quel moment, comment les choses se sont passées en détail, il nous serait difficile parce que ce type de récit, nous pourrions le faire avec certitude que si l'accusé n'était pas accusé, était en cours d'une psychothérapie ou d'une analyse. Et donc nous avons, il y a certainement un certain nombre d'éléments inconscients auxquels nous n'avons pas accès. Alors, mon autre question est la suivante. C'est, pour autant, un individu qui présente cette caractéristique est-il dans l'incapacité complète de ressentir la souffrance de l'autre ? Que ce soit la souffrance physique, qui peut être parfaitement, me semble-t-il, évidente, mais aussi la souffrance psychique ou psychologique. ការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តហើយនិងផ្លូវកាយរបស់អ្នកដទៃថាតើគាត់ដឹងបានឬក៏មិនដឹងបាន
Oui, assurément, monsieur le juge, mais ceci ne tient pas uniquement à la lexithymie. Cela tient également à d'autres facteurs dont nous avons parlé, l'équipage, d'autres éléments, d'autres mécanismes de défense, ou des mécanismes d'adaptation à un contexte de terreur. Je tiens à dire que là aussi, si on n'est pas bourreau, on n'est pas non plus à l'exithymie. Je pense que c'est un processus qui était à la fois désiré par le sujet, et il a rencontré des cadres extérieurs dans lesquels cette manière d'être au monde était fortement valorisée. Oui. C'était aussi un peu le sens de ma question à venir. Est-ce que l'accusé a tiré un bénéfice de ce processus de fabrication qui a fait ce qu'il est ? Est-ce que, d'une certaine façon, il n'a pas aussi participé très activement à devenir ce qu'il est devenu ? Je peux vous répondre du point de vue de la personnalité de Sironi-Guilbaud. Uniquement de ce point de vue-là, il y a une part consciente, bien sûr, d'adhérer à un idéal. Et vous parliez de bénéfices, je dirais probablement aussi une satisfaction à devenir, par exemple, courageux, à devenir tel que certaines caractéristiques étaient décrites dans un certain système ou dans sa propre conception de ce qu'est un homme. Voilà, je vous réponds du point de vue de sa personnalité. Il n'y a pas de... Comment dire, bien sûr qu'il y a un désir de devenir celui qu'on est... conscience de cette fabrication, et ce n'est pas fait de manière non consciente et non participative de sa personnalité. Vous voulez peut-être ajouter... Donc, est-ce qu'il y avait aussi chez l'accusé une conscience qu'il était lui-même un actif membre de cette grande opération que vous appelez, je crois, de déconstruction, reconstruction ? Il a été à de nombreuses reprises question de la formation. Quelque chose qui est important, semble-t-il, pour l'accusé qui a passé d'enseignant, qui aime enseigner, je pense, mais qui nous a expliqué qu'il avait, par exemple, fait des choix très précis quant à ce personnes qui lui paraissaient être les plus aptes à devenir de bons interrogateurs, par exemple. Il nous a dit qu'il avait cherché à recruter des garçons jeunes, autour de 15 ans, des garçons qui étaient, je crois que c'est son expression, comme des pages blanches sur lesquelles on pouvait écrire. Alors, conscience, utilisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Mm.
Je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux, conscience et utilisation. Là, je ne peux faire que des hypothèses, vous livrer hypothèses. Cette question-là n'a pas été abordée au cours de l'expertise psychologique. Un individu qui est un pédagogue et qui a un idéal, qui participe à cet idéal, qui a aussi des doutes, il en avait parlé à un moment donné, mais il était malgré tout, il était dans une fonction et il formait. Nous a-t-il dit lors de parler de cette fonction de formation, et je pense que les talents de pédagogues ils existent là où l'on est. Je pense qu'il a utilisé ses capacités de pédagogue, ses capacités de pédagogue probablement aussi dans d'autres fonctions d'enseignement et de formation. Je tiens aussi à rappeler qu'il a lui-même été formé, enseigné par un psychopédagogue, Sunsen. Donc il y a probablement aussi ได้กวาดบ้านบังเรียนโดยซนเซนโดยฉะนั้นให้ตามระยะการอบรมนู่นให้ได้กวาดบ้านศึกษาสวัยยลปีซนเซนนี่คือจะไว้ได้ขยมอาจมเรียบบ้านจมพูจมหนักหนักขยมส่งอนุญาตบนไทม์คลาสได้ถ้าขนมเนียมลูกดุจได้บิดดาวมจี ครูบังเรียนกนัดวิเชียร์มุ่นหนึ่งบานเจงเทอร์เชียร์สหจ่าแต่งแต่บานตัวตัวในการบรรลุบรรดาอัมพีจัดครูวิเชียร์ให้ได้ครั้งนู้นให้ได้อายทั่วก่อนจุลมาจำนายได้อัมพีปัญหาจัดสักระบบกุมารหนึ่งมนุษย์วัยจุ่มตัวหนึ่งมนุษย์เป็นวัย Tout à l'heure, au cours de votre exposé, vous nous avez dit que l'accusé ne présentait pas de perversion. Vous avez expliqué que vous entendiez le mot perversion dans un sens tout à fait particulier. Peut-être que vous pourrez le réexpliquer tout à l'heure. Vous nous avez pour autant dit, si je ne trompe pas, qu'il y avait une question éventuellement de perversibilité, je crois que c'est le terme que vous avez utilisé, perversibilité. La question que je me suis posée et à la lecture de votre rapport, notamment à la page 60, vous avez dit ceci, donc participer activement à cette entreprise de déconstruction-reconstruction. À S21, on faisait écrire aux victimes des aveux qui étaient parfois complètement invraisemblables. Et d'où le savez-vous? Pour déshumaniser la victime, lui enlever son identité et la remplacer par une identité nouvelle, totalement falsifiée, mais conforme à ce qu'on attendait qu'elle soit. Alors, est-ce que cette approche est une approche dans la falsification? Est-ce qu'on est quand même pas proche d'un mécanisme un peu pervers? Tous les cas pour ceux qui l'ont subi, de voir, alors qu'on est éventuellement, guillemets, innocent, reconnaître qu'on est coupable, est-ce que ça finit pas par être quelque chose de complètement pervers?
ឆ្លើយសារភាពព្រោះបីពួកគេមិនជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តក៏ដោយតើវាតកតងយ៉ាងម៉េចទៅនឹងបញ្ហាខូចអាការៈនេះ Oui, je comprends. ឆ្លើយជាការពិតខ្ញុំយល់សំណួររបស់លោកចៅក្រមយ៉ាងច្បាស់ C'est vrai que la querelle des la querelle des mots existe, je m'en expliquais. Mais tout d'abord, je tiens vraiment à le répéter. On n'est pas là pour justifier. ឆ្លើយបញ្ហាខូចអាការៈនេះយើងអាចយល់តាមរយៈអត្តន័យនៃភេទ ជាការចង់ឲ្យគប់ចិត្តទៅលើបុគ្គលផ្សេងហើយព្យាយាមធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងសហគ្រាសក្រុមរបស់ខ្លួនតែអននេះហើយដោយតែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនធៀបសំទាំងអននេះយើងអាចយល់ឃើញអំពីការខូចអាការៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាតិអាសា សាជីទីឌុនឌុនហ្វាប្រីកាសិនការបង្កើតទៅនឹងអត្តសញ្ញានោះគឺការខូចអាការៈគឺជាការសង្កេតមួយដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងមិនដឹងថាតើវាកើតចេញពីណាហើយការខូចអាការៈនោះគឺវាមិនកើតឡើងចេញពីចំណុចការបង្កើតអត្តសញ្ញានោះទេហើយយើងព្យាយាមត្រូវព្យាយាមថាតើបញ្ហាខូចអាការៈនេះវានាំឲ្យបុគ្គលចំដែងអាកប្បកិរិយា បែបនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបានរៀបរាប់បញ្ហាហ្នឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំយើងអាចលើកទស្សនៈទានខូចអាការៈនេះដែលដែលវាជាវិធីប្រតិបត្តិការមួយនៅស.21ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិវិទូនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញផ្នែកក្រហមផងដែរហើយខ្ញុំមិនអាចពន្យល់ ទៅលើករណីនឹងទេតែប៉ុន្តែវានៅតែដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់តកតងទៅនឹងការខូចអាការៈនោះឡើងអូស៊ីឡេទេគេស៊ីឌឺស៊ឺគូវូសអាប្លេដេមេកានីសមដេហ្វ៊ានស៍ឌឺហ្វេរីហ្វេរ៉ង់ស៊ូស្ទាន់ចំណុចនេះម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងយន្តការការពារដែលលោកស្រីបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងធាតុបដិសេធធាតុជៀសវាងនោះហើយនឹងការប្រទូសរាយរវាងការទទួលនិងការបដិសេធការពិត Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Qui me paraît peut-être important de prendre des médicaments et de les tester sur des prisonniers. Ces médicaments pouvant être éventuellement du poison qui aurait pu servir à commettre un nous a expliqué qu'il avait pris ces médicaments qui étaient des gélules, si je m'ai compris. Il en a vidé le contenu et remplacé par une substance neutre qu'il avait ensuite lui-même distribué ces médicaments de façon tout à fait consciencieuse et que il était
relativement satisfait de pouvoir nous dire que bien évidemment les intéressés n'étaient pas morts par la substance qu'il avait personnellement administrée. Mais il y a eu ensuite une autre question, savoir dans la mise à distance, dans l'occultation, qu'est-ce qu'on peut analyser? Alors on peut parler de trop de concepts, mais on parlerait, là on pourrait utiliser le concept de dénégation, c'est-à-dire nier purement et simplement l'existence même d'un acte ou d'un fait. La dénégation, c'est reconnaître partiellement sa participation à des actes, mais en justifiant, D'une façon assez intéressante, je crois que tout début des expertises, vous avez demandé à l'accusé de vous indiquer le nombre de personnes qui avaient pu être tuées dans PS21. Vous avez dit que dans votre rapport, ça avait été quelque chose de compliqué pour évaluer cela. Alors que c'est quelqu'un qui a des capacités, une intelligence qui sont excellentes. Mais donc, quand même, Oui, je pense que cela participe du même processus. C'est vrai qu'au début, lorsque nous avons Et
Tout en même temps, quelqu'un qui peut-être a fait preuve de zèle ou s'est comporté dans une certaine surenchère. Alors, est-ce que cette ambivalence est quelque chose que vous avez effectivement perçu et comment peut-on l'expliquer? L'ambivalence est donc le fait que deux choses contraires coexistent dans une même personne, pas au même moment, ce qui est une ambiguïté, mais de manière presque si, enfin, consécutive. On peut l'expliquer par un besoin, un sentiment d'appartenance, chez lui, on ne discute pas, il était dans un rôle de police, car le groupe de l'Ubenji, les doutes, les pieds, ឬក៏ចំពោះគំនិតឬក៏ចំពោះមេរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនគោរពនឹងឲ្យតម្លៃឧទាហរណ៍ថាមេសុនសេនិងមេផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកចៅក្រមឬក៏យ៉ាងម៉េចទេតើលោកអ្នកជំនាញចង់បន្ថែមទៀតដែរឬទេ? អាចបន្ថែមធៀបលើធៀបទាំងពីរ
normalement, tout est fait pour les terres. Il peut y avoir, alors je parlerai là vraiment de manière générale. Alors, est dans des situations de On ne peut pas vivre, on reste pas. Ce qu'on ne peut pas accepter, on va chercher éventuellement même de chercher des justifications pour faire taire ou bien sortir de l'ambivalence, important, exutoire physique, ou alors la dépression, ou alors la maladie, je pense qu'avec doute, on était plutôt dans la recherche de construire le déni, sortir de cette situation de doute qui est incroyable. Une question qui s'adressera peut-être plus au professeur qu'à Sunbaunat. Il me semble qu'il y a un mot que l'on retrouve à plusieurs reprises dans votre rapport, et c'est un mot qui me semble-t-il qu'on a entendu aussi à plusieurs reprises dans ces audiences. C'est le mot sacrifice. Alors, il a été question de sacrifice de la part de l'accusé quand il a dit « Je me suis engagé dans la révolution, j'étais prêt à me sacrifier pour le cause noble, pour le bien de, du peuple. » Il a été question de sacrifice aussi dans le fonctionnement même de PES21. Il est question de sacrifice quasiment, enfin, de sacrifice humain pour construire les fondations de éventuellement une nouvelle société. Et puis, il a été, me semble-t-il, un petit peu question de sacrifice, même si ça n'a pas été exprimé comme ça par l'accusé lorsque nous a indiqué que, en tout cas, il a peut-être s'est présenté comme ça, et peut-être que je l'ai interprété comme ça. Il s'est présenté comme celui qui était prêt à se sacrifier à la réprobation sociale, à la réprobation de ses concitoyens. Il a dit « Je suis prêt à être montré du doigt, je suis prêt à être puni. » ប្រពៃណីខ្មែរយើងទទួលការអប់រំពីឪពុកម្ដាយពីសង្គមពីសាលារៀនពីប្រពុតសាសនាឲ្យមានការចែករំលែកជាមួយអ្នក ជុំវិញយើងហើយមិនត្រឹមតែចែករំលែកទេគឺយើងត្រូវលះបង់
ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលទូគុតដោយពាក្យស្លោកថាអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពើនៅសំបានទាំងនេះគឺជាការអប់រំមួយឲ្យយើងចេះធ្វើការលះបង់ ដើម្បីជួយអ្នកក្រខ្សត់ហើយកុំគិតតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីស្តពាក្យថាលះបង់នេះមានន័យ ធ្ងន់ជាងនេះព្រោះថាដើម្បីនឹងឲ្យចលនាកុម្មុយនីស្តឈ្នះអ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសគេត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធការតតាំងហើយដែលជាការមួយប្រឈមនឹងការបដូរអាយុជីវិត ហើយដូច្នេះហើយបានជារាល់ករណីដែលគេបានចូលរួមក្នុងចលនាកុម្មុយនីស្តគេដឹងជាមុនស្រេចគឺគេត្រូវតែបូជាជីវិតគឺបានសេចក្តីថាលះបង់អាយុជីវិតលះបង់ ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយតែក្នុងពាក្យសម័យនោះគេនិយាយថាពលីជីវិតហើយទាំងនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងទុក្ខវេទនានិងអ្នកក្រីក្រនេះជានៃទូទៅដែលពាក្យថាបូជាជីវិតនៅក្នុងការងាររបស់ចលនាកុម្មុយនីស្ត ប៉ុន្តែត្រង់ន័យថាក្នុងន័យថាបូជាជីវិតឬក៏លះបង់អាយុជីវិតនៅក្នុងការងាររបស់ស21ក្នុងនេះខ្លួនខ្ញុំក៏មិនបានយល់ច្បាស់ដែរព្រោះសភាពការក្នុងស21នេះវាមានការពិបាកយល់ Il y a, me semble-t-il, des sacrifices qui sont des sacrifices volontaires, plus ou moins volontaires, enfin, qui sont le résultat d'une démarche. Et puis il y a les sacrifices qui sont ceux qui sont imposés à. Est-ce que cette autre forme de sacrifice est aussi quelque chose qui existe dans la tradition cambodgienne, dans la culture cambodgienne, quelque chose qui parle des sacrifices humains notamment enfin, de... ខ្ញុំមិនយល់ច្បាស់អំពីសំណួររបស់លោកដែលនិយាយថា
ដែលត្រូវបានគេបង្ខំទៅលើអ្នកជនរងគ្រោះតើលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះបន្តិចទេ Je pense que vous avez expliqué de façon tout à fait pertinente et intéressante que on pouvait se sacrifier et quel était le sens du sacrifice quand on adhérait au Parti communiste. C'était tout à fait intéressant. Mais quand on parle de S21, il a aussi été question du fait que ça serait une machine à sacrifice. Je crois que c'est l'expression que vous avez, semble-t-il, utilisée dans votre rapport. Et ma question était de savoir si cette pratique de sacrifice qui ne sont pas cette fois-ci une démarche volontaire mais une démarche quelque chose qui est imposé pour reconstruire pour fonder une nouvelle société. Est-ce que cette démarche-là est quelque chose qui existe ou a existé dans la tradition dans la culture khmer? គិតគូហើយបែបហ្នឹងមានទេនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនោះរូបភាពនៃការលះបង់នៅក្នុងមន្ទីរស.21ដែលលោកលើកបានលើកឡើងនេះដែលថាជាការលះបង់ក្រោមការគៀបសង្កត់ឬក៏ដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះ ជាទូទៅសភាពការបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមុនមកមិនដែលមានទេយើងមានតែការលះបង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមនុស្សធម៌ការលះបង់ដើម្បីជួយអាយុជីវិតគេការលះបង់ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់អ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកក្រលំបាកឬក៏ទទួលការយាយីពីអ្នកដទៃ តែការលះបង់ក្នុងរូបភាពដែលអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរស.21កន្លងមកដូចជាមិនដែលបានឃើញទេហើយជាពិសេសគោលការណ៍នៃការលះបង់យើងច្រើនតែធ្វើទៅតាមដែលហៅថាសិលធម៌និងតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនា Il y a enfin une autre question qui est importante, en tout cas pour peut-être la victime. C'est, cela concerne les regrets exprimés par l'accusé. L'accusé a de très nombreuses reprises à exprimer ses regrets. Et vous avez dit que la question de leur sincérité ne vous paraissait peut-être pas une question tout à fait pertinente parce qu'on était au-delà quand on devait aborder ce problème des regrets. Et vous avez dit, me semble-t-il, ceci, il s'agit pour l'accusé d'un choix, qui est le choix de se réaffilier à la communauté des humains la plus forte, à choisir des groupes d'appartenance puissants. Et vous avez indiqué que, par exemple, pour l'accusé, ces groupes puissants pouvaient être représentés par la communauté chrétienne, par le monde occidental, voire par l'univers de la justice internationale. Ma question est la suivante, est-ce que ça veut dire que pour l'accusé, il lui est toujours impossible d'exister sans pouvoir être rattaché à une communauté ? Il ne peut pas exister en tant qu'individu, il faut nécessairement qu'il soit membre d'une collectivité. Et est-ce que par ses regrets, il cherche à intégrer cette collectivité? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? Tam riyaka samdai vipadisarai ni ta kot aaj nang thua
Alors je dirais que de manière générale, nous avons tous sans idéal et sans croyance. Il l'a dit, C'est une chose, c'est ça qui est important, et après cela, l'assiette dans une communauté. Nous avons compris, nous semble-t-il, à analyser aussi tout particulièrement ce qui a été abordé la semaine dernière, c'était très clair, c'est qu'il a changé de groupe. Après l'appartenance au communisme, où il n'était pas question d'individualité, où il s'agissait véritablement de nier toute individualité, il a ensuite choisi un autre groupe. Alors ce choix, il était mûrement réfléchi, il nous a expliqué aussi qu'il y avait plusieurs choses, la rencontre avec cet homme chrétien évangéliste, il y avait aussi Voilà, j'aurais juste une dernière question. C'est la dernière phrase de votre rapport. Vous avez dit ceci: nous espérons que cette expertise psychologique en matière de criminalité politique aura permis de faire comprendre le parcours qui mène un sujet singulier à perdre sa conscience de sujet, et ce, quelle que soit sa culture, par conviction, par soumission, par acceptation de modes d'exercice du pouvoir, par peur et par besoin d'appartenance. Donc peut-être pour bien clarifier les choses, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez la perte de la conscience de sujet? Qu'est-ce que ça veut dire? La perte de la conscience de sujet touche ce que vous avez évoqué tout à l'heure au sacrifice. La perte de la conscience de sujet, c'est être dans des circonstances
accepter de l'être, vouloir l'être, ou l'individu n'existe plus au bénéfice, au bénéfice d'un collectif. Il y a des dangers. Il y a aussi discussion en la matière, puisque si nous prenons en compte les éléments culturels, certaines cultures, cette discussion doit paraître étrange, la conclusion est de type peut-être plus compréhensible à ហើយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យនោះអរលនីដល់ម៉ោង 3:30 ថ្ងៃត្រង់អង្គញោមរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់អង្គញោមរះនឹងលើកទៅបន្តនៅប្រសាលនេះចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំយន្តទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំយន្តទៅកាន់សាលសម្ដែងការវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញក្រោយចូល